Bonjour Tekla, je viens pour la deuxième fois aujourd'hui et c'était pour préciser, j'ai annoncé tout à l'heure que demain, jeudi 22 décembre 2022, je ferai ma... Alors c'est pas tout à fait la première, mais je ferai une présentation de la fontaine Kangen et de son environnement. Et donc là, je viens en quelques mots, vous dire un petit peu, voilà, ce qu'on va aborder, ce dont j'ai envie de parler, et voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu, voilà, le contexte. Donc voilà, je vais vous souhaiter bien sûr la bienvenue, et puis cette présentation s'adresse à toutes les personnes qui sont sensibles à l'eau. Sa qualité, sa provenance, etc. Elle peut aussi s'adresser à des personnes qui auraient des projets. Et donc, en fait, j'explique tout ça demain, mais on va aller juste jeter un tout petit œil. Voilà. On va partir dans un univers. Est-ce que c'est un univers du futur? Est-ce que c'est un univers des rêves? Mais on va imaginer des projets, on va imaginer que l'eau revienne au cœur de nos villages, au cœur de nos vies, au cœur de nos villes, au cœur de nos quartiers, et puis revienne surtout comme quelque chose qui nous rassemble. Et on va aller voir comment est-ce qu'elle peut être un plus pour voilà pour par exemple des centres de séminaires, mais aussi dans des situations de challenge, et il s'agit d'aller voir comment cette eau peut contribuer à la prospérité pour tous. Donc là, je ne vais pas dans les détails, hein, c'est juste pour donner un avant-goût. Et puis en fait, après, bien sûr, on va aller voir, voilà, notre corps et l'eau. Et je mets chacun au défi de trouver une seule cellule dans son corps qui ne baigne pas dans de l'eau et qui ne contienne pas d'eau. Une seule cellule vivante, je veux dire. Et donc, on va aller voir, en fait, on va aller explorer, on va aller regarder de plus près, eh ben, le rôle, les rôles importants, les rôles, ouais, fondamentaux que joue l'eau dans notre corps. Et rien que tout ça, vous pouvez vous douter que le menu est copieux. Et donc, demain, eh ben, ça sera super important pour les personnes qui... Que ça titille, que ça appelle. Alors, de prendre son temps. Donc, demain, ça sera à 13h. Je pense qu'il y en a pour au minimum 1 heure, sans doute plus. Et bien sûr, ce n'est pas un horaire où tout le monde est disponible et où tout le monde peut s'accorder cette pause-là. Du coup, ce sera enregistré. Par contre, la diffusion de cet enregistrement ne sera pas public, et pour l'obtenir, en fait, il faudra que vous demandiez à la personne qui vous a invité à visionner cette présentation, et bien lui demander le replay, parce qu'il ne sera pas accessible comme ça, de prime abord, pour tout le monde. Voilà, et donc on va continuer. Je vous présenterai la fontaine Kangen, puisqu'elle est à la source de cette présentation, c'est le cas de le dire. Comment on parle des experts, des médecins, comment elle a parlé aussi à des célébrités, et puis comment cette fontaine-là fait sens pour moi. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui, c'était vraiment juste pour vous donner le contexte de la présentation de demain. Donc, n'hésitez pas à demander le lien. Si vous voulez voir cette présentation, n'hésitez pas à demander le lien à la personne qui vous aura parlé de la fontaine Kangen.
Voilà comment ça devient encore mieux que ça. C'est la première fois que j'ai à ce point, ou que j'ai de toute façon juste envie de venir comme ça, parler de d'un sujet. Et du coup, je me réjouis vraiment de toutes les personnes qui vont être curieuses et que je vais retrouver demain ou qui vont regarder en replay. Voilà, à très vite.